Alors, un apprenti auteur, je pense, au-delà de l'écriture, moi je vais me placer sur le plan de la diffusion. C'est-à-dire qu'un apprenti auteur a besoin d'écrire pour lui-même, donc il se fait un manuscrit, mais après s'il veut être lu, il faut qu'il soit publié. Mais s'il est publié sans diffuseur, ça va être convivial, il va vendre ce qu'il a fait à ses amis, il n'aura jamais le retour des critiques qui sont nécessaires pour progresser. Donc il faut qu'un apprenti auteur mêle à la fois, fasse en même temps, et l'écriture, et la recherche d'un diffuseur qui puisse le diffuser dans les librairies et dans le public en général. Voilà. Maintenant, un deuxième conseil très important, chaque mois son importance dans l'écriture. Ne jamais sacrifier le besoin d'être publié rapidement au détriment de l'écriture. Il faut que chaque mot ait son importance. Il faut travailler un bouquin par an, moi j'y arrive pas par exemple. Voilà.